Agnolotti au jus de rôti. Ingrédients. 400 g de farine. Eau. 3 œufs. 50 g de beurre. Sel. 400 g de rôti de veau ou de bœuf. Un pied de céleri, un oignon, une gousse d'ail, 2 carottes. Une petite branche de persil, une petite branche de romarin, une feuille de laurier. g d'épinards bouillis. Parmesan râpé, sel, poivre. Un verre de vin rouge. Préparation. Faites fondre le beurre dans une petite casserole à feu doux. Versez la farine sur le plan de travail. Unissez les œufs. Et mélangez à l'aide d'une fourchette. Ajoutez le beurre fondu. À présent, amalgamez énergiquement avec vos mains. Lorsque vous aurez obtenu une pâte homogène, laissez-la reposer. Faites chauffer de l'huile dans une poêle. Coupez en tranches l'oignon. La carotte et le céleri. Faites cuire les légumes dans la poêle avec une gousse d'ail. Mettez également la viande dans la poêle. Ajoutez le sel. Et le poivre. Faites roussir la viande des deux côtés. Arrosez avec un demi-verre de vin rouge. Ajoutez quelques feuilles de persil. Le romarin et une feuille de laurier. Transférez la poêle au four afin de terminer la cuisson. Prenez maintenant la pâte. Et commencez à l'étirer à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, jusqu'à obtenir une fine couche.
Retirez le rôti du four. Prenez la viande. Et coupez-la en petits morceaux. Que vous insérerez dans le mixeur. Hachez-la. Et transférez-la dans un bol. Versez maintenant les épinards. Hachez-les. Et mettez-les dans le bol avec la viande. Ajoutez un œuf. Le sel. Le parmesan. Et le poivre. Mélangez bien les ingrédients. Cassez un œuf dans un bol. Et dorez la pâte. Distribuez une cuillère à café de farce sur la pâte tous les 5 cm. Et recouvrez avec un morceau de pâte. Coupez les agnolotti de forme carrée à l'aide d'une videlle en refermant les bords. Transférez les agnolotti dans une assiette. Prenez le fond de cuisson du rôti. Transférez-le dans le mixeur. Et mixez-le. Prenez la purée obtenue et passez-la au tamis. Faites cuire les agnolotti dans une eau abondante et salée pendant quelques minutes. Égouttez-les et faites-les sauter dans la poêle avec le jus de rôti. Servez.